te la Congolais, nous surtout Oyo Balandaka Dieu Seigneur, merci de votre fidélité, de votre attention et surtout Nathan Oyo Bozali vraiment Kolanda Biso, qu'on puisse nous faire vraiment confiance, sur Dieu sur News Télévision. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes là, notre devoir est de vous informer à chaque fois. Pour Tali Sabine, on dénie Congo démocratique, et Zali vraiment, pour Tambola Pays, et Zali fonctionner. Merci. On a plus de 100 000 abonnés et Dieu Seigneur, une fois de plus, si nous sommes récompensés aujourd'hui, c'est grâce à vous, en tout cas. Bon, continuez toujours. Na Elawana Bisikanyo, surtout, vous allez qu'on s'est retrouvés. Ezala na diaspora. Ezala Awa, na Katia, République démocratique du Congo. Et surtout, précisément, à Kinshasa, la capitale, nous allons parler de l'actualité dans notre émission. Francine Muyumba, Oyo, à Lubaki Makambo Ebele. Sur la division dans notre pays, la nationalité, il reproche le régime Tshisekedi n'a pas détournement. Dossier M23, nous allons revenir aussi. Et Francine Muyumba, à Bossani, Makambo, Ebele, Basala, Nambo, Kanabiso, Oyo, Olelo. Mboka, ils allaient vraiment, n'a pas si, Pona. Bango, tu remets à ma solo, il y a communauté internationale. Oh, lelo, et zo lobake, il faut ba sanctionner M. Paul Kagame. Bazali Kobo, il a eu 20 millions de dollars. Oh, il fallait ba payer sa Bango, ba payer sa Rwanda. Ce sont des questions. Oh, yo, nous, les Congolais, on a vite compris que Mundele, to communauté internationale, Azali Kodis, frère Bisso, c'est l'omerta. Je peux dire, c'est de l'omerta de la communauté internationale. La communauté internationale n'est pas sincère. La communauté internationale aujourd'hui, Azali Kosala Makambo, surtout, Oyo, Bango Moko Bamonike, Ezali na avantage na Bango, mais Bazo Yako du frère Bisso. Et aussi, nous allons parler de la gestion du gouverneur militaire et surtout du Nord Kivu. C'est gouverneur du Nord Kivu. On parle de lui parce qu'il gère, il est gouverneur, mais militaire, pendant l'état de siège. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans le Nord Kivu. Et aujourd'hui, on a constaté que ce gouverneur n'est pas à la hauteur, il doit être remplacé. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Je vais vous expliquer dans notre émission. Mesdames et messieurs, Deyna Outu Kwanonse Awa, dans ce pays, il y a des gens. Oh, Bakanisakake, Bazalaka Maïle, parce qu'il va accéder peut-être au moins à la gestion de la res publica, que le reste, où sont on va gérer les lots, bah on va maïl l'été. Mais ceux qui vont le bénir, gestion, une bonne gestion, la mauvaise gestion, c'est le résultat. Madame Francine Muyumba, je vais vous répondre parce que vous avez parlé de la République. Cette République qui est notre dénominateur commun. Oyo soko simbi, moutounyo, surtout, ata oazana kanyabayonga pour répondre yo. Oazana Djouk a pour répondre yo, Oazana Louzi a pour répondre yo, Oazana Chikap a pour répondre yo, Oazana Gemena a pour répondre yo. Et pourquoi pas na Ikong. Toujours ici, na Kabinda aussi. A pour répondre yo. Madame Francine Toye Bindenge Boyaka na Mboka Oyo. Oye na Mboka na Kimukolo. Ce qui a eu l'histoire à Mboka, il faut demander à tes parents d'expliquer l'histoire à Mboka. Batani sa mon classe, tellement que bino botanga awa te po bozalaka na Mboka te wo na kimukolo. Yango boye l'histoire à Mboka na biso te. Bozu occasion ya ko gérer, bozu occasion ya ko représenter peuple. Na ba lolenge wana bino bobimaka. Madame Francine, vous êtes arrivée dans ce pays. Vous toi-même, quand vous avez vu très bien, Ezali Dada. Ezali Dada, vous toi-même, yo. Il passe à l'ancien président. Vous toi-même, on a beaucoup à eux.
oui bakani français, oui bakani lingala, oui bakani swahili. Dans ce pays, oza na iloko ko yebisa biso te par rapport à l'histoire ya mboka na biso. Nako banana o depuis 1885. Avant que 1885. Jusqu'à aujourd'hui, na o beto loka di solo. Oye bakani français, oye bakani swahili, oye bakani lingala. Oye ko apprendre ango awa. Parce que tant oyaka, eza na bato ba monaka o ndengo ya. Oui, baka kangle. Moutoame mayo, ezali dada, dada oyo, asalaka na service national. Ya Tanzanie, moukwa do bayango, to sala na service national. To imite, ceux qui opé au banda, ko sala na service national, ya Tanzanie. To imite, mais service national ya Tanzanie, pour sala, kon yofosa la mwana mboka. So ko sa mwana mboka te, ou ko sala konate. Mais dada, aloba iloko wana, yi abanda ko sala service national ya Tanzanie, si tout mona awa ba appuyé yo au komi ko représenté jeunesse soki ndenge nini Nathan Joseph Kabila bo gérer mboka ndenge bo gérer ki wana aujourd'hui vous parlez de la division, quelle division? Vous parlez aujourd'hui de la division. Qui divise qui pour avoir quoi? Si ce sont pas des bakatakatara de l'autre côté avec monde aussi bah, normalement quand Mondo Simba avait dirigé le pays, divisé le pays plutôt, Madame Francine Mouyumbati ne parlait pas. Francine Mouyumbati ne parlait pas. Quand on va lui mettre sa ciseau, Bakatamboka, et pas il y a Mondo Simba. Bakatamboka, et pas il y a Fijas Mouteba. Tu ne parlais pas. Quand vous parlez de la division, il s'agit de quelle division? Quand Madame Mounongo, députée nationale, cherche à diviser les gens, Madame Francine Mouyumba, tu ne parlais pas. Et vous nous parlez ici de la division. Quelle division? La question des nationalités que vous évoquez aujourd'hui, parce que vous dites que la division, même aux élections, Nathan a élection, et Zana Makamoussou, Souyegu, et Misalib. Bazo traité ba tout mousou ba étranger. Tout monde yango ah oh, mais oui. La question de la nationalité. Il y a des gens dans le cannabis au Yobayana qui moukolo le kola yo. Et puis si on passe, parce que dans le cannabis qui moukolo, normalement, il faut balander la paix nationalité na yo. Quand vous évoquez des choses comme ça, vous voulez nous dire quoi? Pour les cas sénatrices, à Ouattel, donc on m'a proposé un parlement pour ces pays. Pour les cas sénatrices, madame, sénatrice honoraire de Mouzawana dans ce pays, et aujourd'hui vous parlez de la question de la nationalité. Normalement, question de la nationalité, il faut être à la tonne de la yango. La regrette à Kami, il vient dans la singe pour nous, d'ingé, à Zoran, à parlement, il y a une fraude électorale, naïe. Vieille, il faut que vous allez à Awa. Pour tout le monde, débat où il y a nationalité. Nani a koki quoi accéder à la magistrature suprême dans ce pays. Tout ça, vous dites, tout ce que vous dites aujourd'hui plutôt, c'est par rapport il y a ba nationalité, il y a ba tomousous au boyebi. Na régime au yabino, il y a fois passé. Il y a régime au yabino. On a traité les autres des étrangers, c'est un discours, il y a campagne, c'est un moment où il faut remettre l'adversaire dans le chaos. Si tu as un qui pour gagner, tu sais que c'est parce que tu sais qu'il est déjà, sur les plans communicationnels, il était bien préparé. Il était bien préparé. C'est pourquoi l'adversaire n'est pas qui était. C'est pourquoi Mané Bako qui était, il a fait plus de 70%. Et vous dites quelque part, vous parlez de détournement. Oh non, ça c'est un régime. Mais détournement, il faut que vous dites ça. Pourquoi à votre époque, Boutchaka IGF, IGF et Mané Bako existait pourquoi? IGF et Mané Bako existait pourquoi? Parce que vous avez dit 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 que vous
batumususu nokola Emmanuel ya mazali sadari oyo lelo aza ko fongola munoko na ya loba na konti nié la trésor public donc aza la carte bleue akobimi sa kami solo l'état chaque mois roli yango. C'est dans votre régime. S'il faut parler à détournement, s'il faut parler à détournement, kakapo na régime, oui, mais va interroger le zone Bambilesi. Va interroger le zone Bambilesi. Oh, il y a le bas qui est 15 milliards. Ce qui est 16 milliards, ce qui est 15 milliards, échappe à l'État. Chaque année, nous avons le bambi, au Azaka ministre de la Justice, au Azaka conseiller spécial à Joseph Kabila. Il a été étouffé parce que vous avez dit, ma kamobanda, vous savez. Et ça, il y a eu des solutions à Awa. Parce que vous avez comment le régime Kabila, bah, j'ai un mot qui a caractérisé surtout dans le détournement. Et là, il y a des tournements où peut-être nous allons vivre. Et là, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Namboka Oyo. Batouba pour détourner sur le mouton pour Karabaro, Azate. Justice Azate, IGF Azate, et le Komoro Azate par rapport à ces régimes quand même. Baza ko lande la miyibi. Baza ko lande la miyibi. Aujourd'hui, vous nous parlez du dossier M23. Dossier M23. Tous on a détournement. Détournement dans ce pays. Ceux qui t'ont comptabilisé vraiment, François, vous détournez mon mot à l'État parce que c'était commis. Détournement. Na oba ko pesa liba na mboka bino ko détourner. Et ça, le régime est détourné, bon côté, donc le régime Kabila. Et ça, t'es. Vous êtes sans concurrent. Kabila fabriquait des millionnaires avec l'argent du contribuable congolais. Avec l'argent du contribuable congolais. Et aujourd'hui, vous venez ici pour nous faire des leçons de morale. Là-bas, détournement. Le dossier M23, madame, il faut osala la réserve. Quand vous dites que le gouvernement Joseph Kabila a réussi à neutraliser, le gouvernement de Joseph Kabila a réussi à neutraliser militairement les rebelles du M23 avec un budget de 4 milliards, un exploit qui semble impossible pour le gouvernement actuel de Tshisekedi. Ah bon? 4 milliards. Vous neutralisez dans 4 milliards. Et bon, le peuple va nous revivre en année. Banzela, nous sommes dans le Salemao. Contrat chinois. Contrat, parce que vous parlez de détournement. Contrat chinois. Dossier de l'encore. Madame, quand vous parlez de la République, il faut que les gens soient là, ils sont là, ils sont là, ils sont très bien. Vous êtes venus ici, beaucoup tabiso. Nous l'aimons Boyaka, Madame Mouyumba. Et vous dites que, avec 4 milliards, Kabila a neutralisé le M23. Non. Alors, les accords, il y a M23. Contenu dans les amis. Contenu dans les amis. Vous voyez, c'est à l'époque que. Vous tirez mon négociation à M23 T. Je vais vous dire que nous avons une négociation Boutou. Et n'oubliez pas que Obasanjo est vivant. L'ancien président nigérian. Il est vivant. Et quand vous dites qu'il y avait que 4 milliards, Kabila a neutralisé la guerre, il faut aller en guerre en position de Yannine Kokene, la position de faiblesse T. Pousser toute une république comme ça d'aller négocier avec les terroristes, les Nanga, d'aller négocier avec les Bisimwira. Non,
Boye baka ki makambo oyo, ce n'est pas le M23. Boye baka yango, c'est le Rwanda. Et aussi à votre époque, boutika la potanga kombo ya Rwanda ti. Parce que boubaki que le Rwanda est derrière, nous avons placé Emwanga Chouchou. Arubaya, exploité content pour le Rwanda, et le reste, la communauté internationale, les Européens, n'a pas tout sous. Boutia, il y a un Este Corp Nabino. Ce qui est aux autres, le Bali, neutralisé guerre avec 4 milliards. Contenu, il y a accord F23 Marcelo Bini. Un, nos services de sécurité. Madame, Francine Muyumba, vous hypothéquez en haut. J'ai suivi ton discours, vraiment, j'ai eu du mal. J'ai compris que tu as une nationalité douteuse. Il faut que votre nationalité soit vérifiée. Nos services de sécurité, ils sont là qui hypothéqués par le régime Kabila. Oyo Obanda ou Zala. Le régime Kabila, vous avez hypothéqué les services de sécurité. Nos frontières, c'est-à-dire, ils sont contrôlés là-bas, étrangers. Bakouya, Bakouzonga. De l'Inde à l'Ingui. Madame Francine, tu n'as pas de leçons. Parce que ces accords existent. Notre territoire a été hypothéqué. Nos entreprises publiques ont été hypothéquées dans ces accords. Tout ça pour bâtir Kabila, libre, bitoumé, zalate, bap. En contrepartie, on peut savoir que Makambo n'a aucun temps à Awa. Peuple congolais, ce sont des personnes comme ça. Des louyou. Parce que Kabila avait maîtrisé. Mais vous avez maîtrisé la guerre avec 4 milliards. Sur le plan social, c'était de l'effondrement. Bobobi Mboka, sur le plan social. Et affaire Yabamine, et les restes, et c'est là qu'il y a affaire Joseph Kabila avec le Dov Gettler. Donc, c'était ma affaire d'ailleurs privée. Aujourd'hui, vous venez pour nous faire des leçons. Nous parler, il y a encore, il y avait un 23, Kabila maîtrise à Kango. Bon, maintenant, on sent l'assemblant. M23, le roi n'a Goma. Julien Paloukou est vivant. Il est dans l'Union sacrée. Il est vivant. M23, le roi n'a Goma. Là, Julien Paloukou, l'administration mobile va se retirer dans Bukavu. M23, va combattre dans Goma. Tina Goma. Aujourd'hui, va se cocater. Les gens va se cocater. Mais dans mon M23, il va matiter dans le gouverneur. Oui, il va aller dans le bête à Julien Paloukou. Julien Paloukou est vivant. C'était votre faiblesse. Vous avez eu un mot comme vous. Vous avez pas un terroriste. Ce sont des terroristes. Le régime Tshisekedi est déterminé par négocier la baroté. Parce que vous parlez de négociation dans plusieurs formes. Même d'avoir infiltré dans beaucoup de ça dans l'Union sacrée. Bah, le Belaka, négociation, négociation, négociation. Il n'y aura pas de négociation avec ces gens. On a tenté de parler avec le Rwanda, qui est notre pays voisin, où tout ça avec des relations diplomatiques étroites. Mais, le Rwanda, va pocater pour éradiquer sous-traitance na bango. Et les cessez-le-feu ont été violés. Accord au signal Kakuna na Rwanda. Cantonnement, il faut M23 ba Lungwa. Ba Kennedy, dans le manier ma place au bâtiment cantonnement, ba boya. Mécanisme wana ba violé en haut. Et vous venez aussi nous parler de 4 milliards. Un grand pays comme la République démocratique du Congo, un pays continent, est-ce que Koki peut vivre avec 4 milliards? C'était de la précarité, c'était de la misère. Votre régime ajoutait aussi les détournements dans ces 4 milliards.
Madame Francine, tu n'as pas de leçon à nous donner parce que tu dis qu'il y a un amour à Kimukolo. S'il faut parler de la question le 23 mars, vous avez hypothéqué ce pays. Vous avez vendu ce pays. Est-ce que tu peux m'expliquer Ruguiza pourquoi Bakenda Kokundaye na Rwanda, l'ancien DG de la DGDA, M. Ruguiza, Azala Kanani, Azala Kanani. C'était Nakati Amakamako le 23 mars. Et ça, 4 milliards au Kolobate. Si 4 milliards neutralisés guerre, vous avez fait au Kende, positionner, vous avez gardé, vous avez mis la binoni. La question de la souveraineté ne se négocie pas, madame. Qu'on a négocié avec qui? Ça, c'est une question de la souveraineté. La question, yo, Moutonou, vous êtes diplomate. La question de la souveraineté ne se négocie pas, madame Francine. Ça ne se négocie pas. Arrêtez de nous faire du melu-melu, soi-disant diplomate que tu es, je ne sais pas, avec quel niveau. Cette question de souveraineté ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Pour faire la paix, nous, un grand pays, on doit négocier avec le Corneille Nanga. Et la République doit donner quoi à Corneille Nanga, madame Francine Moulumba? S'il faut parler des négociations aujourd'hui, s'il faut parler des négociations aujourd'hui, la République démocratique du Congo, il faut épaisser sa corneille dans la nini. Les Henri Magie. Bon, ça les divisions. Les autres dans la rébellion, les autres dans vos partis politiques, vous êtes un parti du peuple, parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie. PPRD. Parti. Ah, vous êtes un parti. Vous êtes un parti. Parti du peuple. Quel peuple? Vous êtes qu'à la fois servir peuple, vous se servir binomoko. Vous êtes qu'à la fois servir peuple, les 18 ans au bout de qui ça a. Dada Janet, au moins, il m'a mis la vie sur la boucle. Yo muto yaka na Francine Moulumba. A omoni makamo memela biso. Omoni makamo memela biso. La reconstruction. Reconstruction du nomoro okenda contrat chinois pour reconstruire le pays, les 5 chantiers. Oui, on était d'accord avec le programme à Joseph Kabila à l'époque. Mais Kabila au Pabanda a réclamé 15 personnes, 15 meilleures personnes. Il a retravaillé na Bango. Malheureusement. Mais yo zelaka na mboka oui. Reconstruction. Oh, dis-moi moko, bon, détournant Momo. N'ayons qu'un moko, n'abino pas la Likambouya. Reconstruction. Il y a boulevard Awa, Beta Mounoko. A Beta Mounoko. Bon, reconstruire combien? Projet Mileko, na vie de Kinshasa et Kinabongo Mai. André Kimbouta, na matata mponye, je vais vous expliquer, monsieur Makambouane. Reconstruction, Yamboka. Bon, reconstruire Wapi. Combien d'aéroports? Combien d'écoles pour reconstruire WAP? Au contraire, Boutika Mbouka, Ningi Boutika Kayangouane. La démocratie! Oh, les lots, les lots, la démocratie, les athées, les mboka. Bino, vous avez la démocratie, les mboka. Ce qui est démocratie, c'est la Madame Francine Moulumba, moi, si le col a eu des chartes, Kapanga, la Koufandengeni. Des chartes à Koufandengeni. Vous aussi, vous qui avez fait des ennemis. Et chaque marche à opposition, c'est là qui est réprimé violemment. Je me souviens, mais non, toujours mon abat marche était. Toujours mon abat, toujours capé, mon abat marche, ça reste soutenu. Mais c'est les apolélés, il y a une marche à qui on sait qu'on a gouverneur, pas autorisé. Marche, c'est ça qui est réprimé. À gaz lacrymogène, je dis bien violemment. Mais il y a gaz, il y a violet, il y a rouge. Et vous nous parlez de quelle démocratie? Dans ce pays, vous avez un débat démocratique. Donc,
Tu n'as pas de leçons à me donner. Vous nous parlez de 4 milliards. 4 milliards. Un pays continent avec plus de 100 millions de personnes. On peut vivre avec 4 milliards. 4 milliards à nos acquis projets. Au Banda pour reconstruire Mboka. Ils ont là qui bitent. Au Banda pour donner un V3. Mais Abino Bolivie avait 4 milliards. Alors, brigade d'intervention. Au Bolivie, ça a besoin de brigade d'intervention. C'est que c'est là qu'on a envoyé l'autre côté. Brigade de l'intervention, il y a ONU et il y a Bengali M23. A go, pour M23, on va commencer dans Goma. Cette fois-ci, bah, kokate. Banda la banda guerre. Mais à votre époque, c'était dans un clin d'œil comme ça, Goma a été récupéré. Madame Francine, je vais dire, boya kana mboka ouyo. Mboka ouyo, za mboka. Y a ba congolais. Tu y bien, go bien. Tu n'as pas de leçon de me donner. S'il y a quelqu'un qui a sacrifié le gens qui a sacrifié toute une génération, c'est Joseph Kabila et son régime. Son régime qui n'a rien fait pour la population, pour se servir et non pour travailler pour le peuple congolais. Tu n'as pas de leçons à nous donner par rapport à la question. Tu n'as pas de leçons à nous donner. Ah non, on attend des guerres, bah, qu'il y aura des négociations, tout ça, si vous êtes en position de, il y a force, et non, et en même temps, bah, qu'il y aura des... Non, voilà, ce sont des racontards. Bien sûr, c'est votre droit le plus légitime. Mais, quand vous parlez, na détournement, la tante, c'est qu'elle dit, quand vous parlez, non, bah, quand il y a guerre, il y a est, accord, il y a M23. Quand vous parlez de la question de la nationalité, il faut comparer Makambo Oyo à Makambo Tomoyo dans le régime Nabino. Makambo Tomoyo dans le régime Nabino. Kabila est parvenu même à violer. Kabila a violé la constitution dans ce pays. Parce que prolongation Oyo à Sala. Normalement, Kabila, c'est quelqu'un qu'il fallait arrêter. Après ces 5, ces 10 ans, où il construit le but, Kabila, ça a 2 ans. C'était sur base de quoi? C'était sur base de quoi? La constitution a été violée. Depuis 2016, Kabila a violé la constitution dans ce pays. Est-ce qu'au fond, on a un problème pour nous? Est-ce qu'au fond, on a un problème pour nous? Parce qu'aujourd'hui, vous avez que des reproches à faire. Il y a un régime qui s'est dit, oh, coûte Mboka. Mboka, on a budget 4 milliards, on a 4 milliards, on a battu la misère. Ma service est bien à l'état pour coup foi. À ta fonction publique, il y a qui n'a fiché, t'es fiable, fiché ou fiable. La caté. Fiché, c'est la caté, la fonction publique. Aujourd'hui, vous venez ici pour nous donner les soins et nous parler. Il y a la division. Quelle division? Division dans ces pays. Quand quelqu'un parle Swahili, ça c'est le tribalisme. Ça c'est le tribalisme, madame. Donc les Swahilifons, vous voulez dire qu'ils sont maltraités dans ce pays? Vous voulez créer maintenant la division? Pourquoi pas qu'on les bélé, en même temps, vous reprochez, bah erreur, bah salaka, bah vous commettez un peu bah erreur. Ça, c'est chercher à créer la division. Vous avez échoué à gérer ces pays. Vous avez même échoué à faire l'opposition. D'une manière au Sengeli. Donc, vous avez tout échoué. Et, quelque part, il faut vous en assommer. Et aussi, qu'on s'est retiré sur la scène politique. Vous parlez du Congo. Mais où est le Congo? Il y a quand on a vu son histoire, il y a Congo qui est là. Parce que nous sommes tous les taille à Zaïre. Batata n'a vu son botama à taille à Lumumba. Bako qu'on a vu son taille à Kassavoub. Nous sommes tous les taille à Zaïre. On connaît ce pays. Parler de la dictature. Nous sommes arrivés dans ce pays, Tokuti. Un seul président. Mboka Moko, Mokonzi Moko. À l'époque, aujourd'hui, vous parlez de la dictature.
Nous avons un peu interrogé Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de notre émission. Il y a d'autres sujets qu'on n'a pas exploités ici. La communauté internationale qui nous fait le beau yeux aujourd'hui, l'Union européenne, les États-Unis et consorts, normalement, il faut M23 se retirer de Koloba. Monsieur Paul Kagame, Babo Ikopé, ça y est, 20 millions d'aides sur. Il y a Makamouya Basouda, tout ça, Oyebape Sakaye. Mais nous demandons à l'Union européenne d'abord, Babanda na Kolongola, accord, va suspendre accord, Oyeba Outiko signé, Awa ba contrat, ce qui est accord avec M. Paul Kagame sur le minerai. Sinon, on va considérer ça de l'omerta, comme disait Charles Onana. Le journaliste camerounais. Très cher collègue. Comme disait Charles Onana. Et les États-Unis d'Amérique à son tour, ceux qui sont sincères, la question est, va suspendre Pebayebisa, Apple, qui est le géant constructeur. Il y a des smartphones, des ordinateurs, et ceci, cela. Et le bus autoporta plainte. À ton somme minéré, il y a est minéré, il y a 100. Oh, le Paul Kagame, Azali Koiba, avec le Corneille Namba, na, PPRD, LN23, oh, Bazana Katia Zambakuna. Va suspendre Bato Oyo, l'Union européenne. Ma cambole, bah, les États-Unis et l'Union européenne. Sinon, on ne se voit pas. Ça, là, ce sont les beaux yeux pour nous distraire. Donc, on sait que l'autorité, ce sont des malhonnêtes, ces gens. Ce sont des malhonnêtes. Ils sont en train de nous distraire sur la guerre de l'Est. Oh non, mais c'est Paul Kagame. C'est en même temps, il touche l'argent des réfugiés. La Grande-Bretagne. Il touche l'argent. Il y a un réfugié. Bah, aide Zoya. Kagame, c'est votre allié. On l'a exposé ici. La France, est-ce que la France peut prendre des mesures contre le Rwanda? À part pour dénoncer des dénonciations basées sur ça là. Ma campagne a mis balé. Ma salaire mou. Avant ma scène, ma coûte, ma M23 va se retirer dans cette zone. Nous, on peut acclamer une victoire diplomatique. Mais mon mémé, ça va comprendre pour tout vos contraires. Regardez cette histoire de Roubaïa. Quand on a arrêté Mangachouchou, va comprendre que les ressources minières ont été mises. Il faut maintenant qu'on ait signé l'accord avec Paul Kagame. Va signer l'accord, voilà, Bande Konanga. Et ça, les 4 mois. Et Roubaïa a été récupéré par le M23 pour Bazokaka minéré wana. Et ça, j'ai à Mindele. Mindele, Bazoka Nisabaza, Maïle Kolekabiso. Non. Ce temps-là est révolu. Ce temps-là est révolu. Je vais chuter avec les gouverneurs militaires. Ces gouverneurs militaires du Nord qui vous est suspect. Peuple congolais, je vais terminer par là. Et c'est bon, si de vérifier. À chaque fois, il y a gouvernement naïe, ne pas rejoindre la rébellion. Non, tu yo kate batu ya Johnny Luboy en Kachama, qu'on a rejoindre la rébellion. Non, tu yo kate. À chaque fois, monsieur le gouverneur, en tout cas, vous êtes devant l'histoire ya Mboka Oyo. Et précisément à l'est. Peuple, ce gouverneur est très suspect. Dans l'état de siège, il faillite et Zakaka, na minunaye. Et ce qui vous l'a bien, c'est au Lungwa. Le conseil financier autour de Lungwa, nous sommes sur Lungwa à l'époque. Nous sommes sur Lungwa. Parce que nous avons un peu de côté, parce que nous avons un peu de rébellion, parce que nous avons un peu de minène. Le Redoc, il y a un air à l'époque. Ameka Koulandela Makambwana,
On l'a cherché à étouffer. Or, le redoc était innocent. Il avait constaté de l'infiltration au sein du gouvernement provincial. Ce qui question va évoquer à Koukanga frontière, directement ce gouverneur intervient. Au Rwanda, on a 15 heures. Mais le Rwanda, on a les classes à Bana, commerce, la bise, tout ça, la perte. Il faut tenter. Pour comprendre que le bateau est basé au Bangapi. Aux autorités militaires, aux autorités civiles, à Koulandela, le gouverneur de l'Est. Pas seulement le gouverneur, son administration, son gouverneur, Batumion, surtout dans la charge qu'on a. Koulandela, Bango. C'est trop suspect. Donc, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mindele, Bazoya, Koko, Sabiso. Oh non, Paul Kagame. Paul Kagame. C'est l'arpion. Mais aussi, madame Francine, il faut apprendre l'histoire de ces pays. S'il y a un régime où il y a vraiment une détérioration, c'est le régime Kabila. C'est le régime Kabila qui a hypothéqué ce pays n'a pas accord. Bien sûr, l'accord est autorisé par la Constitution. Il faut qu'on signe Yango au nom du peuple et aussi pour l'intérêt de la nation et surtout l'intérêt supérieur. Mais bien, nous avons hypothéqué un terroriste. Quelques terroristes là. Et vous dites que non, les accords, il faut les négocier. En tout cas, peuple congolais, vous comprendrez. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Merci Nabaïno, surtout Balanda Kabiso. À travers le monde, vous soutenir Bisso, merci Balanda Bisso. Partagez nos liens, partagez nos émissions. Nous sommes là pour vous servir. Merci à l'équipe technique, Mobimaya, merci Télévision. Merci Nabande Kongo, surtout Balanda Kabiso. Et surtout, n'oubliez pas que la RDC reste et restera toujours notre dernière terre commune. Merci.